Nous ne sommes dérangés par la santé. Nous ne voulons plus crier. Les enfants de Dieu, vous devez être attentifs parce que quand on crie, ça ne va pas avec la santé. En attendant que Dieu nous aide pour que nos instruments soient complets et que nous puissions prêcher sans souffrir. La Bible dit que même le méchant pour les jours de malheur. Celui qu'on appelle un méchant, il peut écouter la vérité dans toutes ses formes. Mais cette personne, jamais il recevra la vérité. La vérité est une puissance qui affranchit. La vérité est une puissance qui débloque même les situations difficiles dans nos vies. Aussi longtemps que la vérité n'arrive pas chez vous, rien ne pourra vous affranchir. Aucun prédicateur ne peut vous affranchir. Il peut être un bon orateur avec un français raffiné. Mais pas être capable de vous affranchir. Un méchant ne recevra jamais la vérité. Un méchant s'opposera toujours à la vérité. Un méchant n'a pas ici l'amour de la vérité. Parce que pour que la vérité vous arrive, vous devez avoir premièrement l'amour de cette vérité. La personne qui place l'amour de cette vérité dans le cœur de l'homme, il s'appelle Dieu. Mais si Dieu ne place pas en vous cette amour de la vérité, on vous parlera. Vous allez gêner et prier. Jamais il y aura en vous l'amour de la vérité. Le passage que nous avons vu ensemble est en train de nous montrer alors comment Dieu a fait les choses dans la création. J'aimerais que toute personne qui est distraite fasse un effort, saisir cet élément que je vais toucher aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Il n'a même pas besoin d'un associé pour faire quelque chose. Quand on a vu Jésus-Christ passer, les gens ont dit, en lui habita toute la plénitude de Dieu. Ce qui veut dire qu'en Dieu, il ne manque rien. La différence qui existe entre l'homme et Dieu, dans nous, les prédicateurs, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, il y a des manquements. Il y a beaucoup de choses que nous manquons. Dans le sœur et dans le frère, quelle qu'en soit la grâce que Dieu peut les utiliser avec, il
Il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Mais quand on dit en lui habita toute la plénitude de Dieu, en Jésus tout y est. C'est pourquoi il dirait même que demandez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, il a la capacité de te donner tout ce que tu manques. Quand vous lisez votre Bible, il est écrit, la prière, c'est faire connaître à Dieu vos besoins. Aucun besoin peut être dans l'homme que Dieu est incapable de satisfaire. Tu dois savoir que le Dieu auquel tu as cru, rien ne lui manque. Il permet que toi, tu manques certaines choses pour aller vers celui qui ne manque de rien. Alors, il faut le connaître comme il faut le connaître. Tellement que ce passage est trop succulent. Regardez comment les choses se passent. Dans Genèse chapitre 1, avant de toucher le chapitre d'aujourd'hui, je veux que les frères lisent bien les Écritures. Parce que nous sommes en train de parler sur le mensonge. Mais je vais montrer comment fonctionne le mensonge et comment vous pouvez être délivré du mensonge afin que les choses changent dans votre vie. Genèse chapitre 1, dans le verset 1, la Bible est trop claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La fois passée, j'ai dit aux gens, non, la Bible ne dit pas au commencement Dieu créa les cieux et la terre et il créa l'eau. Au moins qu'on soit habité par un autre esprit et que tu veux créer ta propre Bible pour ne pas saisir ces choses. Mais ma Bible dit que Dieu a créé que le ciel et la terre. Dans le verset 2, la terre était informe et vide. La terre que Dieu a créée, Dieu essaie de faire un détail que cette terre qui a été créée était informe et vide. Donc, Dieu était une terre qui n'avait rien. Une terre qui était vide. Il faut continuer la lecture. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Donc, les vertus que nous voyons là ont été créées par la terre. En réalité, les arbres, tout, c'est créé par l'eau. Est-ce que là, on a saisi ça? Voilà. Mais la mer, le fleuve, je ne vais pas d'abord toucher la mer. Non, parce que dans la définition de la mer, beaucoup ne maîtrisent pas ce que c'est la mer. C'est toujours l'eau, les eaux, là, qui se subdivisent. Les eaux, Bamai.
faut bien retenir. 9. Ok, il y a Libois. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus. Du ciel se ressemble à un cellulier et que le sec paraisse. Cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre. Donc en réalité, Dieu appela le sec terre. En réalité, quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, c'était une parabole. Quand vous continuez la lecture, maintenant il explique comment il a fait ça. En réalité, la terre, c'est les eaux. Et les cieux aussi, c'est les eaux. Vous allez prendre que c'est des choses ici. Dieu les prend toujours comme des témoins. Les deux témoins de Dieu. Dieu dit toujours, je prends le ciel et la terre comme témoins. En réalité, les eaux et les témoins de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand est-ce que Dieu va créer les eaux? Attention, il faut faire la différence entre les eaux et les fleuves, les mers. Il faut faire cette différence. Les eaux ici, ce n'est pas le fleuve. Les eaux ici, ce n'est pas l'océan. Les eaux ici, ce n'est pas la mer. Parlons un peu comment le fleuve est arrivé. Le fleuve, la Bible dit dans le livre toujours de Genèse. Parce qu'il faut faire confiance d'abord à la Bible. Il ne faut pas faire confiance à la science par rapport à la Bible. Mais concernant le fleuve, Dieu explique dans verset 14. Plutôt chapitre 1 là. Je prends le verset parce que ça c'est prêché par ceux qui prêchent même l'origine de Dieu. Ceux qui prêchent même la géographie de Dieu. C'est le passage qui est beaucoup prêché. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais prenons Genèse. Frère, apprenez à lire. Si vous lisez beaucoup, vous ne serez pas le fruit du diable. Le fruit du mensonge. Chaque fois qu'on vous parle, ayez la force d'aller lire. Dans Genèse, avant d'abord que j'aille d'abord concernant le fleuve, je vais amener mes frères et sœurs à saisir quelque chose, parce que c'est ça que nous allons parler. Allez dans le verset 1. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. Dans le verset 20. Quand je lisais ça, je me suis posé des questions et j'ai compris que la Bible n'est pas donnée à tout le monde. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Est-ce que vous lisez vraiment votre Bible? Je ne sais pas si nous lisons de la même manière. Lisez bien, la Bible est trop succulente. Si vous la lisez avec l'esprit de la Bible, vous serez toujours joyeux. Regardez. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc,
C'est encore les animaux. Wana lisusu banyama. Qui ont produit les animaux vivants? Ah banane, bamai nde boti banyama na bomoi. Les eaux. Bamai. Est-ce que je me fais comprendre? Ligoso solama. Les eaux ont créé les animaux. Bongo bamai ekela ki banyama. Tous les animaux vivants banyama, nyoso, ont été créés par les eaux. Bakelamaka na mai. Mais lisez bien. Et puis, et des oiseaux volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, tous les oiseaux que vous voyez voler ici ont été produits par les eaux. Dieu a raison de prendre à travers les prophètes. Ciel, écoute. Terre. Prête l'oreille. Le témoin qui appartient à Dieu. Les grands témoins qui ont été au commencement. Oh, la terre, le ciel, c'est les eaux. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le problème, c'est le problème des eaux. Ne faut pas confondre les eaux avec le fleuve. Ne confondez pas ces eaux ici avec l'océan et avec la mer. C'est ici que les gens se perdent. La Bible n'est pas votre livre, c'est notre livre. Parce que quand vous la lisez en français, vous réfléchissez et vous êtes que des petits assassins. Donc, les deux témoins ici nous est utile. Mais regardez, frère, dans le verset là, maintenant verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau selon son espèce et Dieu vit que cela était bon. En réalité, les eaux là qui créaient les poissons, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut le créer. Moi, je ne comprends pas si les frères ici comprennent. Il y a d'autres qui... Amen. Les gens disent amen. Comment? Parce que vous ne lisez pas la Bible avec nous. Pour comprendre l'évangile éternel, quand on dit lisons, tu dois lire. Il ne faut pas seulement attendre quand on va dire chassons les démons. Là, tu te réveilles. Il faut premièrement comprendre la parole. La Bible dit, celui qui rejette la parole de Dieu, même sa prière est une abomination. Il faut faire beaucoup attention quand vous venez pour prier. Quand les règles pour que ta prière soit exaucée, tu dois saisir la parole prêchée pour prier conformément à la volonté de Dieu. Je sens que je commence à être guéri. La parole est trop succulente. Même quand tu es venu malade, tu commences à parler. Les démons, la maladie ne supporte pas la parole. Je vais reprendre pour tous nos bien-aimés. Regardez dans le verset 20 de Genèse 1. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ici, on dit que c'est les eaux qui doivent créer ces animaux-là et les oiseaux, c'est les eaux. Donc, les eaux créent la terre. Les eaux
crée le ciel. Et les eaux créent les oiseaux. Et créent les animaux. Mais quand vous descendez dans le verset 21, on dit même plus seulement les oiseaux. On dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Donc, en réalité, l'eau, c'est lui Dieu créateur. Mais si vous refusez ça, vous êtes des sorciers. Est-ce que je me fais comprendre? Nous comprenons pourquoi lors de la création, Dieu dit, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand il s'agissait maintenant de l'Esprit de Dieu et les eaux, Dieu a sauté. Et il commence la création. Dieu a créé la lumière. Ce qui veut dire l'Esprit de Dieu qui était un avec les eaux. Parce que si nous allons croire que, en lisant cette écriture, Dieu c'est les eaux, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas être différent de Dieu. L'Esprit de Dieu est lui-même. C'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire les eaux et l'Esprit de Dieu, et tout c'est Dieu. Est-ce que vous avez saisi ici? Maintenant, tellement que je vais vous aider à saisir. Regardez dans le verset 12, le chapitre 1. Je rentre toujours dans le chapitre 1. Je sais pourquoi. Le jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, puis un matin, fut le premier jour. Pour qu'on parle du jour, pour qu'on parle du soir, il a fallu que premièrement la lumière soit créée. Donc le jour est le résultat de la lumière. Dieu n'a pas créé les jours. Il a créé la lumière. Mais le jour c'est une appellation. Le jour est une appellation. L'appellation de la lumière. Je suis compris. Jusque-là, frère, au moins qu'un homme soit animé par la mauvaise. Pour parler que Dieu a créé l'Esprit de Dieu, et il a créé les eaux. C'est pourquoi je vais laisser le temps que Dieu nous fasse grâce et la santé soit toujours meilleure pour que les questions nous aident à bien éclaircir. Maintenant, je prends le verset 6. Regardez, Dieu dit qu'il est étendu entre les eaux. Qu'elle les sépare des eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Le ciel n'a pas été créé. Le ciel ici. Mais le ciel ici, c'est une appellation. Mais au juste, c'est la séparation de ces eaux-là qui a donné le ciel et qui a donné aussi la terre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quoi? Dieu est en train maintenant de décortiquer comment le ciel a été créé et comment la terre a été créée. Dans le verset 1 du chapitre 1, il a dit seulement Dieu a créé le ciel et la terre. Mais quand vous descendez, ne peut pas parler de la mer.
Sans la terre, on ne peut pas parler de fleuve. Mais les eaux ont existé avant que la terre soit formée. Les eaux que nous nous prêchons ici ont existé avant que le fleuve existasse. C'est pourquoi Dieu, la terre qui était déjà informe vide, Dieu va maintenant placer un jardin d'Eden. Et quand Dieu place le jardin d'Eden, la Bible dit, il a, ça, il faut être dans l'évangile éternel pour parler de cette manière. Dieu a déchiré cette terre pour que ça donne une eau appelée fleuve et que ces fleuves-là se divisent en quatre. Mais on ne peut pas parler des fleuves de la mer si la terre n'a pas encore apparu. Vous me comprenez trop bien. Mais avant que la terre apparaisse, avant que le ciel apparaisse, l'eau a existé. Cette eau-là n'a pas été créée par un homme. Vous savez qu'en Europe, les gens créent leur scène. Dieu a placé son trône dans le ciel. Dieu a créé le ciel. Toutes les choses que vous voyez ont été créées par Jésus et pour Jésus. Mais qui est Jésus? Personne n'a créé Jésus. Personne. Même Marie n'a pas créé Jésus. Joseph n'a pas créé Jésus. Jésus s'est créé lui-même. C'est ça, Colossiens. Tout a été créé par lui, pour lui. Veut dire que c'est lui qui créa. Et il ne créa que pour lui. Toutes les choses que vous voyez dans la création a été créée par Jésus. Et Jésus a créé ça pour lui-même. C'est pourquoi vous ne verrez pas que Jésus aime que toi, frère, que tu sois pour moi, que tu m'adores, que tu me loues. Tu es jaloux, il n'aime pas. C'est là où nous allons arriver. Parce que lui-même a tout créé. Et il a créé que pour lui-même. Dieu l'égoïste. Jésus-Christ est l'égoïste. Mais toi, tu ne peux pas être égoïste. Parce que tu n'as rien créé. Jésus dit qu'il est égoïste. Il y a ceux qui disent, mais papa, qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, quand vous allez, le prophète Esaïe me confirme. Si je ne me trompe pas, Esaïe 48, je ne donnerai jamais mon honneur à un autre. Même pas à un ange. C'est pourquoi il dit, les anges sont des serviteurs. S'il y a quelqu'un qui ne partage pas la loi, c'est Jésus. C'est pourquoi il appelle les hommes de Dieu. Il les appelle comme des vases. Tu n'as pas droit. Quand on t'envoie prendre, il a dit, allez. Quand vous arriverez dans cette ville-là, quand vous verrez l'âne, dis à la personne que le maître en a besoin. Ce n'est pas quand tu prends l'âne, tu viens t'asseoir sur l'âne. Ce n'est pas ton droit.
Il a tout créé. Et lui-même n'a pas été créé. Qui est-il là? Il y a des gens qui disent, c'est écrit où? Mais c'est écrit. L'eau. Maï. Jésus Maï. Jésus l'eau. L'eau du commencement. Maï et Bandeluana. L'eau qui était. L'eau qui créa les cieux et la terre. Tout ce qui sait est le trône et le ciel. C'est l'eau qui a créé. Mais qui allait créer l'eau maintenant? J'ai pris le temps de lire tous les prophètes. J'ai compris que tous les prophètes respectaient cette écriture. Tous les prophètes disaient, ah! Domaine privé. Aucun prophète a dit je suis l'eau. Aucun prophète. Ils ont fait des miracles. Personne n'a ouvert sa bouche pour dire je suis l'eau. Personne. Mais un homme est venu. Il a dit cette écriture là. Comme c'est l'eau qui a tout créé. Ça parlait de moi. Celui qui a soif. Cet eau là qu'on parle là. C'est pas du fleuve d'abord. Celui qui a soif. Qu'il vienne à moi. Pour dire. Ce n'est plus l'eau que vous voyez ici. L'eau en réalité. C'est moi. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, toi crée Jésus. Va créer Jésus. Joseph est venu avec l'ignorance. Pendant que Jésus était assis dans son temple. Il y a ceux qui prêchent Jésus. Jésus était dans le ventre de Marie. On ne refuse pas. Mais nous nous disons, Jésus était descendu sur la montagne. Il était descendu sur la montagne de Sion. Maintenant Joseph vient. Bongo Joseph foyer. On t'a créé. Bongo bakele yo. Marie. Maria. Tu as créé. Yo Kelly. Marie dit moi. Maria Lobinga. C'est lui ici. Oh yo yo. Assis sur son trône. On ne le crée pas. Bakela kayete. Alors Joseph décide de se séparer avec le temple dans lequel lui-même avait fait son temple. Il est assis dans son temple. Laisse que Jésus puisse s'asseoir en toi. Laisse-lui prendre place. Fais sortir le prédicateur, fais-lui asseoir. Je suis à la porte et je frappe. Nazan écoute que Nazan kobeta. Yo banda yezo zo beta. Yo vandisa moté na kati. Toi tu vandisa lingomba na kati. Tu as gardé l'église en toi. Lingomba c'est le mensonge. Moté en toi c'est le mensonge. Lingomba en toi c'est le mensonge. Laissez-lui prendre sa place. Il a tout créé pour lui. C'est pourquoi la Bible dit quand un serviteur travaille, après avoir travaillé, il doit dire je suis un serviteur. Aujourd'hui nous voyons des serviteurs qui veulent partager la gloire avec Dieu. Qui cherche à partager cette gloire. Qui cherche que les gens soient derrière lui. Des serviteurs qui font tout pour que certaines sœurs, certains frères lui appartiennent. Même quand il rend visite, même quand il marche avec ses frères là, vous sentez que ça devient frère à lui. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens créent les écoles, Caillou blanc. Les gens qui étudient dans ces écoles là deviennent des serviteurs de maîtres de cette école là. Basali
Dieu n'agit pas dans nos églises parce que les gens ne comprennent pas le verset qui dit tout a été créé par lui. Est-ce que je vous fais comprendre? Et après cela, pour lui, dans ta bouche, dans ton cœur, élève que le nom de Jésus. Il aime ça. C'est pourquoi la Bible dit, il résiste aux orgueillés. Un orgueillé, c'est qui? C'est lui qui veut prendre sa place. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais le fleuve, la mer, c'est toujours l'eau. Mais qui apparaît à partir de la terre? Quand Dieu apparaît, quand la terre apparaît, ouvre des rivières qui sont même les Éphésiens 4. Ce sont des fleuves aussi. Ce sont des frères qui viennent qu'à partir des eaux. Mais lisons d'abord cette écriture. Luc chapitre 1, plutôt Jean chapitre 8. Parce qu'il y a un bien-aimé qui m'avait dit, papa, considère-nous comme les nouveaux venus. J'espère que là où Jésus crie, je suis l'eau sur laquelle. Je suis les eaux sur lesquelles l'esprit. Molimo. Mais les prédicateurs prêchent ça, même les dirigeants dans sa médecin. Ils prêchent ça. Même les jours où Jésus est venu devant Jean-Baptiste. Cette écriture-là, personne n'a déjà vu l'accomplissement de cette écriture. Un homme qu'on va les baptiser. Un, il entre dans l'eau. Deux, il y a que il qui a vu la colombe descendre. Pourquoi la colombe devrait descendre? Les gens disent, Jésus est entré dans l'eau. Mais non, pourquoi il est entré dans l'eau? Pose-lui la question. Ce que tu prêches là, Jésus est entré dans l'eau. Même un théologien en lisant, il parlera comme ça. Mais l'entrée de Jésus dans l'eau, c'était quoi? Quand vous ne comprenez pas ça, la provenance et le pourquoi. Le pourquoi de Jésus d'entrer dans l'eau. Il voulait quoi? Il voulait que Jean puisse voir. Voir quoi? La provenance. La provenance. Pour comprendre ici, frère, tu peux croiser des prédicateurs de prières partout. Même 100 dollars dans la poche. Dépose ça, dit papa, si tu m'expliques pourquoi Jésus-Christ est entré dans l'eau, tu vas rentrer avec les 100 dollars. Pour l'agneau soit lavé, pour avoir le baptême, papa, tu as échoué. Papa, yo olongite. Concernant l'agneau soit lavé. Mais papa, nous avons aussi dans le tabernacle. Mais je veux savoir la provenance de cette chose-là. Pour mieux comprendre ça. Regardez, frère. Pendant que les gens faisaient leur cérémonie de l'agneau, Jean-Baptiste se présente, un homme qui est de passage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était pour dire, fini avec l'animal. Maintenant, l'agneau est devenu un homme. Lui ôtera vos péchés. Fini. Est-ce que vous comprenez? Fini avec ça.
Ce jour-là, Mokolowana, car Tango. Pourquoi Jésus est venu dans l'eau? Il est venu dans l'eau. C'était pour dire c'est fini. Et Sili avec Louis. Namayo. C'est lui qui est devant vous. C'est lui maintenant l'eau. Et désormais, ce n'est pas n'importe quel eau. L'eau qui a tout créé. L'eau qui a créé la terre. Pour confirmer cela, il a fallu que la colombe, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Quand quelqu'un prêche, il dit tu vas parler de ça, mais je cherche la provenance. La provenance. C'est pourquoi la Bible dit tout le monde n'a pas vu. Il y a que il. Et ce n'était pas une chose comme ça. Physique. Toute une vision. C'est quoi la vision? Jean était transporté. Transporté le jour de la création. Jean était là-bas. De la même manière que Paul dit, un homme était transporté. Quand Jean est parti, il a compris que l'eau là, qui créait les eaux et qui créait la terre, les animaux, cet eau là qui était Dieu lui-même là, or c'est lui. Quand on vient de dire, regardez l'homme là que tu nous as présenté, maintenant il commence à baptiser les gens. Faites attention. Ce n'est pas un homme comme moi. Ce n'est pas un homme comme moi. C'est un homme extra. Ordinaire. C'est lui-là. Ce n'est pas un homme comme moi. Son nom. Il dit non. Que moi je disparaisse. Je dois diminuer. Pourquoi il a dit je dois diminuer? Il a créé tout. Lui a créé pour lui. Alors vous tous là, qui étaient derrière moi, dégagez. Dégagez. Parce que vous avez été créé pour lui. Il vous a créé pour lui et non pas pour moi. Moi, je n'ai pas de problème. Les disciples qui sont là dans les commérages. Il dit c'est lui. Frère. C'est pourquoi vous voyez là où l'apôtre Paul avait ramassé cet écrit-ci. L'apôtre Paul a dit qui est mort pour vous, mais il a ramassé ça. Parce que tu vas répéter comme Paul, c'est de la tautologie. Mais montre-nous comme Paul a parlé. Donc ne répétez pas Paul. Comme nous étions avec Paul. Là où la chose descendait, Paul a Kimimbango, Papa Corinthien, dans 1 Corinthien, à l'obio, il dit Moutumoko a couffé la binoté. Personne n'est mort pour vous. Pierre n'est pas mort pour vous. Ni moi, je ne suis pas mort pour vous. Ce n'est pas en mon nom que vous êtes baptisé. C'est ce que Paul est allé dire aux Corinthiens. Maintenant, si toi, tu es ministre, tu es ensemble avec Paul quand les choses coulaient. Toi, tu ne viendras pas répéter ce que Paul a dit. Non, confirme ce que Paul a dit. Pour montrer là où Paul avait ramassé. Paul a compris. C'est ce que Paul prêche. Attention. Il n'y a que lui qui a tout créé. Et aussi pour lui. Alors, Jésus est égoïste.
Il faut que tu parles. Seigneur Jésus, toi égoïste. Ah, Kolo Yesu yo mobimi. On va te lapider sur le terrain. Ça c'est quelle prière? Il faut prier en langue. Jésus égoïste veut dire. Tellement que c'est lui qui t'a créé et il t'a créé pour lui. C'est-à-dire, même quand tu veux chanter, tu chantes son nom. Même quand tu pries son nom. Quand tu veux prêcher, tu prêches son nom. Quand tu veux chanter, chanter son nom. Pour te faire baptiser, tu te baptises en son nom. Oh, nyo sopo na ye, nyo sopo, nyo so. Na boisi na mobali na ndako na yo. Nyo so sa nango po na ye. Ye, lo na, pesi, ilaka ko. Yo ka ninge bazo, bango mabu ndire mingo, na mingo kweza ya ye. Nyo sopo na. Namungongo, nyoso pona ye, nilunape, siyelaka, kosali. Nanso teza ya ye, nyoso pona, nyoso pona ye, nyoso pona, nyoso pona ye. Le lunate si elaka kusalila o nyo sopona ye nyo sopona nyo sop ozobo ya yonani na zote se ya ye na mundoko ya ye même la bouche c'est à lui le lunate si elaka kusalila nyo sopona yo nyo sopo nyo sopona ye yawe nyo sopona nyo sopona yo yawe lunapi si elaka kusalila yo nyo sopona ye nyo la provenance de ces choses, l'apôtre Paul dit que tout ce que vous fassiez en parole, en acte, faites tout au nom de Jésus.
parce que il avait compris. Dieu lui-même crée les choses. C'était lui qui était l'eau. Mais il dit, je l'ai fait que pour moi-même. Le trône créé par lui. Le ciel créé par lui. Les femmes créées pour lui. Et vos enfants. Même vos enfants. Souvenez-vous d'un homme. Quand sa femme est allée lui demander, je veux un enfant. Ce n'est pas moi qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. Même les enfants que tu as, le mari, la femme, la maison, le souffle de vie, l'argent, la pauvreté, l'intelligence, l'église, tout ce qu'on a, c'est pour Jésus. Et pour lui seulement. Pour lui, mais qui pouvait le créer? Non. C'est quand lui, Jésus, l'eau devient sec et appelait la terre que certains fleuves, les océans, sortent. C'est pourquoi je vous ai dit le fleuve pouvait que sortir à l'apparition de la terre. Aussi longtemps que l'eau n'a pas encore pris le corps de la terre, aucun fleuve pouvait exister. Il faut que lui se déchire. Quand il devient la terre, il se déchire, les fleuves sortent. Ah, vous voyez Éphésiens, hein? Éphésiens chapitre 4. Il est monté, nous disons qu'il n'était pas monté. Il est descendu. Nous disons qu'il n'était pas descendu. Mais nous disons qu'il s'est déchiré. Dès qu'il s'est déchiré, les fleuves sont sortis. Et ces fleuves, il y a aussi des poissons là-dedans. Il y a aussi des poissons là-dedans. Mais tout ça, pour lui. Pour lui. Je voulais dire aux frères et sœurs, qui est-il? Lui, la vérité. Et tu dois tout faire dans ta tête, dans ton esprit. Dire que moi, j'appartiens à lui. J'appartiens pas à un calot. Même si calot me donne l'argent. Même si il est gentil envers moi. Même si je paye, il est le premier à venir. Je ne lui appartiens pas. Dieu te bénira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. De toi, sur toi, des hommes. Dis que Jésus à lui. Jésus à lui. Frère bien-aimé, frère, c'est ça la force de la prière. Même quand vous priez, même quand tu manques la force, tu es malade, tout le monde te dit, dis-le que je suis à lui. Regardez comment il réclame ça. Nous n'avons pas besoin de répéter Paul. 1 Corinthiens chapitre 12 a dit, là, tous les théologiens, les intellectuels vont prendre les mêmes écritures et expliquer aussi. Mais l'évangile éternel, c'est dire des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Et quand vous parlez, les gens disent, oyo, n'encaissez. J'encaisse. C'est une chose inédite. La chose inédite, ce n'est pas seulement 70 de Daniel. Ce sont des choses anciennes dans Google. Chaque jour, Dieu a une chose nouvelle. Regardez comment Paul dit. Il a dit, vous tous, nous sommes le membre de son corps. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes les membres de son corps. C'est-à-dire, nous appartenons à ce corps-là. Je n'appartiens pas au corps de Didier Lompon.
Est-ce que vous comprenez? Là où l'apôtre Paul avait ramassé cette chose-là. Paul dit, les membres de corps. Mais nous, nous devons expliquer. Il a trouvé cela. Ce soir, celui qui se prend comme membre de Jésus, le corps de Jésus. Non, lisons cette écriture. Parce que le bien-aimé me l'avait demandé, je vais être vraiment dans cette écriture. Jean chapitre 8. Je crois que je ne me suis pas trompé. Où Jésus dit, je suis l'eau, celui qui a soif. Jean, merci parce que vous avez ça. Jean 7, hein? Bien-aimé, ayez l'amour de lire les écritures. Jean 7, 37. Je vais lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus choisissait que quand il y avait la trompette, parce que parmi les trompettes, il y avait aussi la trompette qui sonnait pour la fête. Et il dit, Jésus s'est tenu debout. Aucun prophète n'a fait ça. William Marion Branham. Aucun ali fait l'eau. Tu iras en enfer. Je suis l'enfant. Je ne vais pas citer certains noms parce que un Ivoirien habité de tous les démons. Moïse Ivoirien a tout dit semblé bader mon agnon. L'époux est sorti du Côte d'Ivoire. Oh, tenir les bimak nous en Côte d'Ivoire. Mais l'imoumapé. Ce sont les mauvais esprits. Tous ces gens-là cherchent à s'approprier de toi. Aucune personne, ni Moïse à son temps, Daniel à son temps, Moïse à son temps, Élie à son temps, personne s'est mis parmi le peuple déclarer cette phrase. Il savait que ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Personne d'autre ne peut s'approprier ça. Alors lui arrive. Zambé Mobimba. Donc l'eau a marché. Si quelqu'un a soif, à ceux qui montent dans la poussée à comer là, à Jésus ne balaye dans Jourdain. Ils ne partent plus au Jourdain. Le jour où Jésus est sorti de Jourdain, Jourdain Jourdain était séché. Il y a d'autres qui disent. À Jérusalem. Il est allé là-bas à Jérusalem. Papa, parce que ça m'a dit, il y a des pasteurs qui vont là-bas. Jésus a été baptisé ici. Ah, le Jourdain est déjà séché. Si tu vois ton pasteur à la télé, je suis arrivé là où Jésus a été baptisé. Là où Jésus a été baptisé. J'ai puisé. Je sens vraiment l'onction. Tu as senti l'onction. Mais tu as senti l'onction diabolique et satanique. Parce que
Quand Dieu quitte souvent quelque chose, diable remplace. Diable remplace. Regardez, frère. La Bible dit, à l'époque, le sang de l'agneau couvrait les péchés. Mais quand le fils de l'homme est venu, était le véritable agneau. Quand l'agneau est devenu un homme, n'est plus l'animal, les fétichés, les marabouts sont restés dans les cérémonies d'égorger les agneaux. Quand Dieu quitte quelque part, Satan remplace. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, portaient des robes, tenues sacrées de sacrificature, portaient des bonnets. Dès que Jésus est venu, il a déchiré cela. Je ne dis pas qu'il a passé là qui temple. Je ne dis pas qu'il a déchiré les temples. Quand les gens disent qu'il a passé là qui temple, quand les gens disent qu'il a déchiré le voile, ça tout le monde peut vous le dire. Mais moi je vous dis ceci. Jésus portait ça. Ces jours-là, n'ayez temple, que ce soit le voile, n'ayez ses habits, n'ayez son corps, trois déchirés ont été déchirés. Et tant qu'on a déchiré, lorsqu'il les a déchirés, on a vu vraiment que l'habit était ôté. Et nous tous ces femmes, nous avons vu son sa nudité. Malédiction pour Nabao Bazala qui basse. La malédiction tombait sur celle sous la malédiction. Et ils sont sous la malédiction. Maman, papa. Papa. Papa zomona mutakala ya mwasi. Papa voit la nudité de sa femme. Ah, la calme.